Oh, mon pauvre chéri, quel cauchemar. Ça, je n'en venais pas là. Tu sais qu'il n'était pas commun, le gars. Tu as trop d'imagination. Ça te jouera des tours. Mais tu me fais mal. Mais tu as une bosse. Une bosse? Oh, une énorme bosse. Mais c'est vrai. Juste à l'emplacement du coup de matraque. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas rêvé. C'était bien lui, Fantomas. Qui est là? Fantomas. Non, n'y va pas. Je t'en prie, n'y va pas. Oh, j'appelle la police. Oh, regarde. Le fil est coupé. Ouvrez! Je t'en prie, n'ouvre pas. Ouvrez! Mais vous m'aviez laissé 48 heures pour l'exécution. Ah, vraiment? Ici, police, commissaire Jules, ouvrez! Allez, ouvrez! Allons! Ah, bravo, commissaire, j'ai bien marché. Eh bien, moi, je ne marche plus, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous prend, commissaire? Vous êtes devenu fou? Oh, mademoiselle, hein? Surveillez vos expressions, hein? Au nom de la loi, je vous arrête. C'est une blague. Non, je suis un homme sérieux. Alors, Fantomas vous a donné 48 heures pour l'exécution. Mais l'exécution de qui? L'exécution de quoi? Ben, il faut que je veuille... Alors, on fait des cachotteries avec la police. On est en relation avec Fantomas. Alors, écoutez-moi bien. Non-dénonciation de malfaiteurs et complicité, votre compte est bon. Mais vous allez comprendre. Non, hein, j'ai tout compris, j'ai... Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous expliquer. Mais c'est pas la peine. Dans mon pays, les ânes savent lire, figurez-vous. F, comme Fantomas. Hein, c'est une coïncidence, bien sûr. On va t'interviewer, mon gaillard. Amenez-le, monsieur. Allez. Mais enfin, c'est pas possible, commissaire, c'est un scandale! Oh, ça, c'est un... Oh, ouais, n'aggravez pas son cas, hein, le... Hein?